Là, partout. Là. Tiens mes mains. Comment je kiffe, c'est mortel. Je vais y aller. Bon, j'y vais. Je vais revenir. C'est bon, c'est bien. C'est bon. J'y vais. J'arrive. Hey. Ça va, vous l'avez pas trop chaud? Un peu? Un peu chaud ou pas? Ben ouais, et... T'es où? Je suis là. J'arrive. Attends. Hein? Ouais, là, moi, c'est pour ça. Moi, je suis bien équipée. T'as eu ou pas? Hein? Ouais. Parce que là, c'est pour ça, moi, vous m'écoutez? Ouais. Non? Ouais. Parce que moi, j'aime pas prendre les médicaments. Si, j'aime pas ça. Donc, parce que le temps, t'as eu, il va pas te prévenir. En plus, c'est un peu le bordel maintenant. On sait plus trop. Alors moi, c'est Takili m'a fait un cadeau. Et comme ça, si à des moments donnés, je sens le temps, il va géchant. Il va géchant vraiment. Là, je fais ça comme ça. Ça, je suis bien équipée. Tac, je fais ça, hop, comme ça. Et là, je suis bien. Au moins, et comme ça, toujours, jusqu'au moins 21 juin. Comme ça, je suis sûre, je vais pas. Parce que, tu sais, au début, quand tu vas être malade, tu vas avoir des petits frissons. Et si je vois sentir des petits frissons arriver, je fais non, 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 pas les petits frissons, maximum protection. Ça fait partie les envahisseurs. Ça te dit, mais ça, c'est trop terrible. C'est pratique parce que des fois, tu vas marcher dans la rue. Ouais, normal. Mais tu vas marcher, t'es là et tout, tranquille. Et d'un moment donné, tu vas voir quelqu'un que tu voulais pas voir. Alors tu fais, ah non, non, pas lui. Suis-je passé inaperçu? Petite vérification. Il est parti. Ça aussi, c'est vrai, dans la rue, peut-être on a toujours les petites mamies. Va te demander des renseignements. Excusez-moi de vous déranger. La rue de Pompécourt. Excuse-moi, mamie, mais là, le bureau, il est fermé. Ça, moi, c'est pour ça que c'est pratique. Attends, merde. Ah non, non, non. Ah, putain. Ah non, non, attends. Ah oui, t'as eu ou pas? T'es avec de l'or. Tu connais ça ou pas? Hein? Vous vous connaissez? C'est à un moment, si tu veux, tu vas pouvoir l'ouvrir. Si tu vous voulez. Mais vous croyez que je ne vous ai pas vu vous arriver là? Tout le monde est vous avez en plus. Grillé direct. Hé, monsieur, je dis demander, est-ce que tu sais comment on va faire pour va faire ouvrir ça? Vous savez ou pas? Si? T'es quoi? Voilà, c'est ça!
C'est quoi le délire, là? Attends. Non, non, attends, attends. Hé hey hey, il est où, mon décor? Attends, et deux secondes. Attends, on m'a chouré mon décor. Et on m'a chouré... Cynthia! Cynthia! Il est où? Marc! Il est où, Marc? Ouais. Ah, ouais, tu peux... Ouais. Gentil, pas couché. Pas gentil. Pas couché, pas gentil. Gentil. Okay. Tu m'entends, meuf? One, two, je veux dire. Il est où, mon décor? Ouais, mais j'en avais un de décor. Ouais, j'en avais un de décor. Il était trop terrible. Hein, c'est vrai, mon décor, il est fait. Non, tu sais, on en aurait fait un de décor, et ça serait... On l'a fait, mais en papier carton mâché. Et on l'avait fait, mais que nous. Bon, que... Ouais, attends, vous m'écoutez? Ouais, nous, on l'avait fait, mais comme une perspective, mais inversée. Ouais, ça faisait tous les bâtiments de ma cité, de la Zutaï, et ça partait comme ça, ça faisait tout en perspective, ça faisait A, B, C, D, E, F, G, D, F. Et devant, il y en avait mon bâtiment à moi, avec tous les... Les appartements et le mien, t'as eu? Au troisième. T'as eu ou pas? Ouais. Là, ouais. Ici, t'as eu. Et là, au deuxième, c'est le voisin. C'est un voisin. Ils nous ont mis un voisin en guise de récompense. Le gars, il est tout petit. Il doit faire, je sais pas, même pas 1m40. Il en a toujours des bretelles comme ça. Et il est tout crancho. Et un peu comme toi, monsieur. Ouais. Mais lui, et il s'appelle Jean-Paul Foulard. Et le gars, il est tout le temps en train de gueuler sa mère. Oui, ça me l'avez dit. Moi, j'en avais vu dans ma vie, tu m'as les ascenseurs. Votre entrevue, il fait dans ma vie, moi, la fumée. Votre entrevue, il y a votre vignon, mais il fait dans les ascenseurs. Votre entrevue, il fait dans les boîtes aux lettres. Votre entrevue, il fait gagner les mégots. Et votre entrevue, on peut trop entrevue, on nous prend peur des cons. C'est un siphonnier de la déglogomanie. Sérieux, franchement, lui, il... Mais moi, t'as eu, je vais arrêter de lui parler. Parce que déjà, les gens, quand ils vont... S'ils veulent, ils vont pas t'écouter dans la vie. Moi, comme ça. Si à un moment donné, je suis super vénère. Et je veux que tu vas comprendre. T'as eu? Mais, je vais pas parler. Je vais faire des expressions, mais avec mon visage. T'as eu? Là, par exemple, à toi. Hein? Là, je t'ai pas dit, je vais faire ça. T'es moi. Et là, ça donne pas envie de fermer ta gueule? Hein? Franchement, t'as eu? Tu sais ce qu'il va nous reprocher, Jean-Paul Foulard? Mais imagine le gars, il nous reproche de marcher chez nous le soir. Quand t'es chez toi, t'es comme ça. Et t'as eu, à un moment donné, va falloir que tu vas bouger, non? Je sais pas si tu veux aller à la salle de bain, tu fais comment? Hein? Tu fais... tu vois la natation, c'est ça? C'est pour ça, moi, en vérité, je me sens trop écriquée. Il me faut de l'espace. T'as vu l'espace que j'ai ici? Ah, je kiffe l'espace! Ah, j'adore l'espace! C'est mon cœur, c'est... Moi, il faut que je vive! En plus, moi, il faut toujours que je mouve mon corps. T'as vu? Parce que, en vérité, t'as vu, moi, dans ma vie, j'ai un gros kiff. Mais terrible. Mais en vérité, il y en a un truc que j'aime et plus que tout. C'est... Je kiffe la danse. Mais d'une force inouïe. Et même moi-même, j'ai inventé un nouveau style. Tu veux que je vais te montrer ou pas? Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais, regarde, là, je vais te montrer, et comme ça, toi, après, tu vas me donner ton avis. On fait ça? Ouais. D'accord, arrêtez pas. Cynthia? Ouais, pousse-toi, pousse-toi. Non, pardon. Téma. C'est les claquettes hip-hop. Là, attends. Là. Et là. Oh, yeah. C'est la chatte. Hein? Qu'est-ce que... Ouais, parce que... Eh, vous êtes trop mortels, vous avez tous la banane, là. Parce que là, vous... Ouais, tu m'écoutes? Vous m'écoutez? Parce que depuis un moment, déjà, je me suis inscrit à la MJC. Je prends des cours de Modern Jazz. Ça déchire. C'est pour avoir bien de la technique. Tu sais, c'est si tu vas vouloir être professionnel, t'as il faut que tu me tournes. Prends des cours avec une meuf, elle vient du pays des Belges. La meuf, elle s'appelle Sarah Van Deribus. Et les Belges, comment ils rigolent pas du tout. Tu sais, ils ont trop du sens de la rigueur. En plus, c'est... Je crois que c'est moi, sa chouchoute. Si, regarde, parce que t'as eu la dernière fois, je te jure, c'est vrai, devant tout le monde, hein. Et ben, elle a dit ça. Stop, les filles. Bon. Notre amie Juliette, hein, bon, qui a du mal à s'exprimer verbalement. Je dis ça, ma puce, parce que je comprends pas toujours quand tu parles. Eh bien, elle sait au moins s'exprimer avec son corps, hein. Elle a un sens comme ça, irréprochable, hein, pour le rythme. Et puis alors, une énergie redoutable. Hein. Et surtout, mesdemoiselles, surtout, elle possède ce corps de rêve. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, après, elle n'a pas dit que j'avais le body, non. Après, non, elle avait dit que je n'avais pas peur du ridicule. Ouais. Mais détail, elle a dit, c'est sûrement pour ça que je vais aller loin dans la vie. Alors moi, maintenant, je vais à tous ces cours. Même le cours pour les vieux. Ouais. L'école? Ah non, j'y vais jamais. Ben, si, j'y vais... Pardon. Non, j'y vais... Mais c'est pas trop le temps de dire. Mais en vérité, tu savais, toi, que c'était obligatoire, l'école, ou pas? Hein? Pardon. Tu savais ou pas? Mais moi, je savais pas. Ouais. Si, d'ailleurs, je savais. Je savais qu'on devait y aller obligatoirement. Mais qu'on n'était pas obligé. Et la dernière fois, ils m'ont proposé d'aller voir une conseillère de l'éducation. Ils m'ont obligé. Et tu sais, après la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a convoqué ma mère. Et tu sais qui c'est, ma mère? Vous savez qui c'est, ma mère, ou pas? Ben, ma mère, c'est Françoise Ferrier. C'est la présidente du syndicat des locataires de la Tessie. Ouais, ben, elle rigole pas du tout. Hein. Et tu sais qui c'est, mon père? Non? Ben moi non plus. Ouais. Ben c'est la vérité. C'est la vérité. Ah oui, et je te dis, je vais pour le rendez-vous avec la conseillère de l'éducation. Et je vais arriver et... Tu sais c'est quoi une conseillère de l'éducation? Ben regarde, c'est une dame qui va te conseiller dans ton éducation.